Nous allons reprendre notre séance en évoquant des aspects plus économiques et sociaux à travers ce que peut en dire l'exhortation « La joie de l'Évangile » et pour commencer une réflexion sur l'argent. Rodor aux serviteurs, par Pierre de Lauzin, directeur général délégué de la Fédération bancaire française. Ensuite, enchaînera Guido Hussmann, professeur à l'Université d'Angers, membre de l'Association des économistes catholiques aussi, sur l'exclusion, la question de l'exclusion, le marché des improvidences, donc les thèmes qui ont été abordés de façon un peu... plus lointaine tout à l'heure, mais là on va rentrer dans le cœur du sujet et on terminera avant la conclusion par une lecture anthropologique de la crise telle que le pape en parle avec François-Xavier Bellamy qui n'est toujours pas parmi nous, je crois. Voilà, Pierre de Lauzin, je vous laisse la parole. Vous parlez debout, ou assis, comme vous préférez. Et aussi. Merci beaucoup. Donc, l'argent redor aux serviteurs. Donc, je prendrai le micro. On n'entend pas ? Là, comme ça ? Oui, voilà. Oui, mais il faut. Si à un moment donné, je me mets à m'agiter. Oui, c'est ça. Exclusion, idolâtrie de l'argent. Bon, s'agissant de l'argent, la pensée du pape retrouve, comme vous le savez, un thème constant de la doctrine sociale et je dirais plus profondément des évangiles. Je ne vais pas insister là-dessus. Ça, c'est une dimension que vous connaissez. Je vais plutôt regarder ce que dit le pape en particulier et ce que, disons, il y a le plus original dans sa parole. Alors, il dénonce, comme vous l'avez dit ce matin, de l'exclusion et de la disparité sociale. La personne est considérée comme quelque chose de jetable. Et donc, on a beaucoup de mal à avancer. Voilà, pour prendre comme ça. La personne, ça va mieux ? Oui, oui. La personne comme quelque chose de jetable, etc. Bon. Et il dit, voilà, face à ça, les bénéficiaires du système, c'est-à-dire un peu nous tous, cultive deux attitudes. Il y a une attitude idéologique qui consiste à dire ouais, les pauvres, de toute façon, ils en bénéficient automatiquement. C'est la théorie dite de la retombée favorable. On traduit dans le texte par rechute ce qui est plus haut, c'est retombée. Le retombée favorable, c'est-à-dire, dit le pape, qui suppose que la croissance économique favorisée par le libre marché réussit à produire en soi une plus grande équité et inclusion sociale. Et alors là, il dit assez énergiquement, cette opinion n'a jamais été confirmée par les faits, elle exprime une confiance grossière et naïve dans la bonté de ceux qui détiennent le pouvoir économique et dans les mécanismes sacralisés du système économique dominant. Et il rajoute, plus grave est le fait qu'on s'est blindé intérieurement contre la compassion, on a développé une mondialisation de l'indifférence, on est incapable d'éprouver de la compassion devant le cri des autres, la culture du bien-être, de l'anesthésie, et il donne évidemment à l'origine de ça, et on est sur notre point, une nouvelle idéologie idolâtrie de l'argent. Nous acceptons plaisiblement sa dominance sur nous et sur nos sociétés, nous traversons une crise anthropologique profonde, la négation du primat de l'être, l'adoration de l'antique vaudor, qui a trouvé, dit-il, toujours, une nouvelle et impitoyable version dans le fétichisme de l'argent et la dictature de l'économie sans visage et sans objet véritablement humain. Donc la crise mondiale qui investit la finance, donc mon métier, c'est pas parce que je représente les républicains dans cette assemblée, manifeste ses propres déséquilibres et par-dessus tout l'absence grave d'une orientation anthropologique qui réduit l'être humain à un seul de ses besoins, la consommation. Et il dénonce une idéologie de l'autonomie absolue des marchés. Les gains d'un petit nombre s'accroissent exponentiellement. Ceux de la majorité sont de plus en plus éloignés de ce bien-être. D'ailleurs, pas très évident, mais de toute façon. Ce déséquilibre procède, dit-il, d'idéologie qui défend l'autonomie absolue des marchés et la spéculation financière.
et il mit le droit de contrôle des États chargé de veiller à la préservation des biens communs. Donc une nouvelle tyrannie visible, etc. Alors, évidemment, corrélativement, on récuse toute régulation aux références ethniques, donc éthique, pardon, refus de l'éthique et refus de Dieu. On regarde l'éthique, dit-il, avec un certain mépris narquois. On la considère contre-productive, trop humaine, parce qu'elle relativise l'argent et le pouvoir. On la perçoit même comme une menace, puisqu'elle condamne, dit-il encore, la manipulation, la dégradation de la personne. Donc, il en appelle à une réforme éthique des gouvernants et responsables économiques. Une réforme financière, dit-il, qui n'ignore pas l'éthique, demanderait un changement vigoureux d'attitude de la part des dirigeants politiques. L'argent doit servir et non pas gouverner. Et je vous exhorte à une solidarité désintéressée, un retour de l'économie de la finance à une éthique en faveur de l'être humain. Donc, l'attaque est extrêmement vigoureuse. Je le commenterai un petit peu tout à l'heure. Mais on voit bien qu'à côté du thème qui est constant, il y a une tonalité, je dirais, une orientation particulière. Alors, ceci dit, il y a un paragraphe qui est très important à côté. C'est celui qui dit « Ceci n'est pas un document social. Pour réfléchir à ces thématiques différentes, nous avons un instrument adapté qui est le compendium de la doctrine sociale de l'Église, dont je recommande vivement l'utilisation, dit-il. » Et puis, ni le pape ni l'Église dans le monopole de l'interprétation de la réalité sociale. Donc, il y a à la fois une espèce de choc extrêmement vigoureux, où il dénonce une certaine attitude à la fois morale, intériorisée et idéologique, et en même temps, il nous dit, attendez, c'est pas doctrinal ce que je vous dis là, puisque ça a été fait ailleurs, donc ne mélangez pas les deux termes. Donc, ce qui est manifestement n'est pas nouveau, c'est l'orientation, c'est-à-dire la fascination de l'argent, ou l'argent comme idolâtrie n'est pas nouveau. Ça, on retrouve le culte Dieu et Mammon, il faut choisir, donc on retrouve les évangiles. Ce qui est nouveau, c'est une certaine dénonciation corrélée d'une certaine idéologie qu'il repère. Et deuxièmement, l'idée que c'est la réunion des deux qui explique directement toute une série de problèmes. Alors, quand vous regardez d'ailleurs les interventions du pape pendant l'année, vous retrouvez beaucoup de ces thèmes, avec en particulier l'idée que, par exemple, il y a quelqu'un qui lui dit, mais le père c'est un espagnol, mais enfin bon, dans les 10 commandements, on ne parle pas d'argent, dehors de question de ne pas voler. Bon. Et le pape lui dit, mais si. On n'a pas le premier, l'idolâtrie. Et il rajoute, le chemin que nous enseigne le Christ, c'est le chemin de la pauvreté. Pas la pauvreté pour la pauvreté, mais la pauvreté pour un instrument, pour que le seul Seigneur soit Dieu. Donc, vous voyez dans ces enseignements-là, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une dimension très forte, qui est une dimension de dénonciation théologique et morale, c'est-à-dire notre attitude fondamentale. Bon, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, et c'est un point tout à fait essentiel dans son discours. Mais il n'y a pas que ça, puisqu'il y a aussi un certain nombre de choses qui sont plus systémiques. Alors, justement, le pape, là-dessus, élabore un petit peu la question du culte de l'argent et des crises sociales et financières. Il fait un lien direct avec, par exemple, il dit, voilà, quelqu'un qui n'a pas de travail manque de dignité, et cette tragédie est la conséquence d'un système qui a l'idolâtrie d'un dieu qui s'appelle l'argent. Donc il fait un lien assez direct entre cette espèce d'attitude fondamentale et des conséquences pratiques. Alors à ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Il y a deux dimensions, je dirais, il y a celle des pauvres, alors celle-là des pauvres pas au sens plus général, des pauvres à un sens relativement concret, où il dit que, bien entendu, chaque chrétien et chaque communauté sont appelés à un instrument de Dieu pour la libération et la promotion des pauvres, et il demande à créer une nouvelle mentalité, je cite, qui pense en termes de communauté, de priorité de la vie de tous sur l'appropriation des biens par quelques-uns, de reconnaître la fonction sociale de la propriété, on retrouve la doctrine traditionnelle de la destination universelle des biens, qui concerne chacun de nous, mais
il va loin, puisque d'une part, il nous dit que chacun personne ne peut être exempté de la préoccupation pour les pauvres et pour la justice sociale. Là, évidemment, on n'est pas sur uniquement les pauvres en esprit. Hein. Et d'autre part, il dit, tant que ne seront pas résolus radicalement les problèmes des pauvres, en renonçant à l'autonomie absolue des marchés et de la spéculation financière, et en attaquant les causes structurelles de la disparité sociale, les problèmes du monde ne seront pas résolus, ni aucun problème. Donc, vous voyez qu'il y a un discours qui, dans son expression, est à la fois violent et établit un lien assez direct entre une attitude personnelle, de cela où il voit une idéologie, et des conséquences extrêmement concrètes. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Changement profond d'orientation, et il dit, beaucoup de paroles dérangent dans ce système, c'est gênant de parler d'éthique, de parler de solidarité mondiale, de distribution des pains et des biens, etc., etc. Alors il y a un petit mot sur les entrepreneurs qui est décidé par Jean-Yves Naudet, la vocation d'entrepreneur est un noble travail, etc., qui peut servir le bien commun, mais nous ne pouvons plus avoir confiance dans les forces aveugles et la main invisible du marché. Il faut aller vers une meilleure redistribution des revenus, la création d'opportunités d'emploi, etc. Il dit, loin de moi, la proposition d'un populisme irresponsable, mais l'économie de ne plus recourir à des remèdes comme la... Par exemple, augmenter la rentabilité en réduisant le marché du travail, qui sont un nouveau venin. Et il parle ensuite de priorité à l'éducation, accès à l'assistance sanitaire, au travail, et ainsi de suite. Donc, ce qui aboutit à un appel assez vibrant aux politiques, donc il dit la politique tant dénigrée, à vrai dire par lui aussi, puisqu'il a dans d'autres textes que celui-là, il est assez critique sur la corruption des dirigeants politiques. Il faut dire que le cas argentin est assez remarquable dans le genre. Mais au contraire, il fait un éloge vibrant de ce que peut faire le politique, que les gouvernants et le pouvoir financier, qui vivent au moins visiblement ensemble, élargissent leurs perspectives, que les citoyens aient un travail digne, une instruction, une assistance sanitaire, etc. Et il rajoute, il revient à l'État de prendre soin de promouvoir le bien commun à la société, donc idée tout à fait traditionnelle, il rappelle les principes de subsidiarité et de solidarité, mais l'État joue un rôle fondamental qui ne peut être délégué, et donc particulièrement important aujourd'hui. Donc, comme vous le voyez, il y a un accent très fort sur la transformation personnelle, mais quand on en arrive aux solutions collective, l'accent est quand même beaucoup plus mis sur l'État que sur, je dirais, l'action des personnes. Elle n'est pas exclue, mais manifestement, c'est l'État qui est mis en premier rang. Et ceci retrouve un autre thème qu'on ne voit pas beaucoup dans l'Evangelii Gaudium et qu'on voit beaucoup dans les sermons du pape en tant qu'à l'époque archevêque de Buenos Aires, qui sont extrêmement patriotiques, voire nationalistes. C'est-à-dire que pour lui, la nation est le lieu essentiel de la communauté et de l'action collective. Là où, par exemple, Benoît XVI insistait beaucoup sur la pluralité des niveaux, y compris au niveau international, clairement, pour, je dirais, le cardinal Bergoglio à l'époque, la nation est beaucoup plus essentielle. Donc, je vais faire un petit peu quelques éléments d'analyse pour situer, en étant peut-être moins politiquement correct que mes prédécesseurs, mais je pense qu'il n'est pas facile, contrairement à ce qu'on croit, de situer exactement la pensée du pape. D'abord, le texte est assez composite, puisqu'il est composé d'ensembles variés et hétérogènes. Deuxièmement, manifestement, il est beaucoup plus l'expression de ce qu'un de ses collaborateurs a appelé le curé du monde qu'un discours doctrinal. D'ailleurs, il le dit très clairement, je n'ai pas fait un discours doctrinal. Et donc, il lance une espèce d'exhortation très vigoureuse à une réflexion sur nous-mêmes, non seulement pour nous sentir nous-mêmes pauvres en tant que personnes, mais aussi pour réfléchir à tout ce qui, dans notre comportement, nos cadres d'action collective, relève de ces idéologies qui peuvent orienter vers une action collective qui va dans le mauvais sens. Et ce que
Jean-Paul II appelait « structure de péché ». Il ne cite pas lui-même. Alors il va plus loin dans la dénonciation de certaines de ces idéologies possibles, et il est clair que personne ne peut être indifférent à l'effet, en quelque sorte, coup de poing de cet appel à la conversion. Alors moi j'y vois là le point fort, très puissant, essentiel du message dans ces matières-là de ce texte. L'exhortation est apostolique et non pas encyclique. La distinction est extrêmement importante. Bon. On retrouve, il y a quelqu'un qui ressemble beaucoup à ça, c'est Saint Jean Chrysostome. Hein, dans la Byzance à la fois opulente et violemment inégalitaire de l'époque, Saint Jean Chrysostome a des discours qui étaient patriarche, archevêque de Constantinople, d'ailleurs il s'est fait virer et persécuter, mais avait des discours assez vigoureux et on retrouve des tons très 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 proches. En même temps, on retrouve en commun avec Saint Jean Chrysostome justement cette priorité. Coup de poing, cette priorité à l'exhortation morale, à l'effort à faire sur nous-mêmes là où nous sommes, qui, je pense, ne peut pas laisser indifférent aucun d'entre nous. Alors, ceci dit, en même temps, il faut reconnaître, moi, ce que je trouve précisément la limite corrélée du texte, c'est que précisément n'étant pas construit comme texte doctrinal, il privilégie l'expression en quelque sorte rhétorique, disons, dans le discours, dans le sermon, de cette priorité-là, par rapport à la précision doctrinale et notamment à la présentation de la complexité des réalités, contrairement, par exemple, aux encycliques immédiatement de ses prédécesseurs. Autrement dit, autant la fascination que peut exercer l'argent, le fait qu'on puisse traduire cette fascination, cette priorité par une idéologie qui cherche à justifier des pratiques collectives, des institutions qui vont dans le mauvais sens. Ceci a toujours été dit par l'Église et mérite effectivement d'être rappelé et actualisé. Autant en même temps, ses prédécesseurs, équilibraient cette déclaration par la prise en compte d'autres facteurs. Alors je pense notamment des facteurs totalement essentiels, comme la liberté, la réalisation de la personne dans le travail, l'autonomie des personnes, la subsidiarité, les bienfaits de l'économie d'initiative ou d'entreprise et les bienfaits du marché. Ça a toujours été un thème fort dans la doctrine sociale. C'est un des thèmes majeurs de Leone Novarum de Léon XIII, qui disait en même temps au patron, d'un côté, vous avez raison, la propriété est une institution fondamentale. Deuxièmement, vous avez des devoirs majeurs liés à la propriété. Mais il rappelait les deux corrélés. Là, manifestement, on n'a pas le même équilibre. C'est-à-dire que celui qui lit le texte et qui en fait une interprétation doctrinale, indéniablement, peut y trouver, de manière raisonnablement sincère, la base à une politique d'interventionnisme très social-démocrate, voire péroniste. Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas... je vous ai dit que je n'étais pas politiquement correct. Hein. Donc, il n'y a pas, à mon avis, si on le prend comme un texte doctrinal, ce qui n'est pas, il n'y a pas l'équilibre qui, à mon avis, conviendrait par rapport à ça. Donc, moi, j'en déduis que ce texte ne doit pas être pris dans ce niveau-là, puisque le pape lui-même ne le prend pas à ce niveau-là. Je prends le message moral et psychologique, et je dirais, sur l'aspect de la théorie, sur l'aspect de la conception, quand je dis théorie, ce n'est pas la théorie abstraite, la théorie concrète, où j'attends des textes plus doctrinaux qui nous diront de façon plus précise quelle est sa pensée, mais il est clair que ce n'est pas facilement utilisable là-dedans. Par exemple, je prends une affirmation économique où il nie de façon extrêmement abrupte la théorie des retombées. Vous savez, l'idée que le développement économique a des retombées sur la population pauvre. Bon, il est parfaitement vrai que prétendre qu'il y a des retombées automatiques sur l'ensemble des pauvres est faux. En même temps, il est totalement évident qu'il y a un développement économique extrêmement impressionnant de la planète et que la majorité de la population de la planète, matériellement, en profite. Je ne dis pas que c'est nécessairement bon pour leur âme, ça c'est autre chose. Mais matériellement, ils en profitent, c'est un fait. Donc, manifestement, cette affirmation qui est juste si on dénonce l'idéologie de l'automatisme intégral
qui pourrait justifier de dire « moi je fais rien puisque c'est problématique », donc la dénonciation est complètement justifiée, mais en même temps si on en déduisait que pas du tout, il y a une petite minorité qui s'enrichit et que l'écrasante majorité de la planète s'enfonce dans la pauvreté, ce qu'on pourrait déduire du texte, bah, c'est malheureusement matériellement pas vrai du tout. Donc, manifestement, si vous voulez, le texte ne peut pas être utilisé comme base doctrinale telle qu'elle. Il y a besoin sur ce plan-là d'élaboration, alors d'abord du pape lui-même, puisque c'est un homme libre, il nous dirait, il s'exprimera, je pense, par la suite, mais mon intuition, c'est en lisant ses livres antérieurs, c'est que son message principal n'est pas là. Jean-Paul II et Benoît XVI, dans deux styles très différents, étaient aussi des universitaires. Donc ce sont des gens qui étaient habitués à écrire, à élaborer doctrinalement, à regarder les deux côtés, ainsi de suite. Là, nous avons un pasteur énergique qui, toujours, je reprends l'exemple de Saint Jean Chrysostome, il faut quand même imaginer dans la Byzance, avec un pouvoir absolu, le patriarche qui défie directement l'empereur, c'est pas très facile, il y a besoin d'un certain courage. Bon, évidemment, le bon Saint Jean ne jouait pas dans la nuance, donc il attaquait très très frontalement les puissants de son époque. Donc les faits étaient réalisés, d'ailleurs ils l'ont très mal pris, et ils ont eu sa peau. Mais, si vous voulez, on est dans ce moment-là, dans un registre très important et utile, qui n'est pas le même que le registre doctrinal. Donc voilà, je voulais faire une espèce d'interprétation nuancée des différentes facettes de ce texte, et je vous remercie de votre attention.